Allez, on commence par l'échauffement. On va venir serrer les jambes et les écarter. D'accord, on va le faire 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Même principe avec les bras en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vas-y. On va se mettre au bout de la ceinture. Ici. On va serrer les pieds et on va sauter à droite et à gauche de la ceinture. Allez, j'y vais. On s'est bien soufflé. Demi-tour. On va se mettre accroupi. Ici, on va faire un aller en grenouille et le retour en canard. Les mains ne touchent pas le sol. Maté. Trois flexions au début. Grenouille. Trois flexions au bout. Retour en canard. Allez, je mets. 1, 2, 3. On part en grenouille. Des petits sauts. On essaie de garder les mains bien en l'air. Trois flexions. 1, 2, 3. Et retour en canard. Toujours à bien souffler. Voilà. Allez, chambre chaude. Ici, on va venir faire un petit éducatif sur le saut au gari. On va faire un pied ici et l'autre, pour l'instant, je stabilise. Ici, et je garde l'équilibre. Ici, je garde l'équilibre. Ici, je garde l'équilibre, mon pied toujours en l'air et j'essaye de faire le mouvement au sautogari, d'accord, en gardant l'équilibre. Ici, marche arrière. On fait une deuxième fois. Je stabilise, on compte. 1, 2, 3. Pareil ici. Tac. Là. Ici, je vais rentrer le mouvement au saut de gari et j'essaie de tenir. 1, 2 et 3. Maté. Même principe. On va prendre une petite gourde. Et je vais faire Ouchigari. Grand fauchage à l'intérieur. Alors, je mets une bouteille. Comme si il y avait le partenaire, il y avait la jambe du partenaire. Et ici, on va venir projeter. Mais je pense à bien mettre le gros orteil contact avec le sol. Et là, on fait un cercle, le compas. Allez. Ici. 1. 2. Et 3. Alors vous pouvez le faire 10 fois. Hein. Allez, sur l'autre jambe. 1, 2, on revient le mouvement ici, en serre, et on fait, allez, vous enchaînez 10 fois, d'accord? Et ensuite on fait les deux techniques, le haut soto et le haut uchi. On peut ouvrir un petit peu tout, on enlève tout, la bouteille, la ceinture, et puis vous rentrez les mouvements, haut soto, le haut uchi gari, voilà, je me déplace, à droite, à gauche, j'engage la technique, ici, pendant que je vous présente mon huquet, vous avez vu, j'ai mis un kimono, un pull, donc n'hésitez pas à faire un beau huquet, d'envoyer les photos, on fera peut-être un petit concours sur le plus beau huquet, hein. Qui sait, voilà, j'attends vos retours, donc moi il est ici. Bon, je le salue, il me salue, hein. Voilà,
Ok, ça va, pas trop malade en ce moment? Non, ça va, il y a la fin. Voilà. Allez, on va commencer avec le UK. On va mettre nos mains au niveau de la ceinture ici. Et là, on va chaîner sur des pompes. On serre bien les fesses. Et quand on touche la ceinture, d'accord, on remonte. 1, 2, 3, 4. Et 5. On va aller au niveau de la manche du huquet et on va sauter à droite et à gauche le plus vite possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait le tour. Même principe et sur un pied. On va faire 5 fois avec le pied droit et 5 fois avec le pied. 1, 2, 3, 4, 5. Fais bien attention à ton huquet, on ne marche pas dessus, hein. Un partenaire, c'est précieux. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ça, vous recommencez ça, vous faites 3 fois. 3 fois le tour du huquet. Ok? Ensuite, on va s'éloigner un petit peu. Et on va venir comme si je voulais, on a fait tout à l'heure, le haut s'autogarer. Je vais ouvrir, là j'ai avancé mon pied gauche, je rentre le mouvement, haut s'autogarie, je me baisse, et je vais essayer de chercher la manche. Si j'ai ma jambe droite en haut relevée, je vais chercher la manche avec ma main gauche. Revers, et ensuite, je vais venir faire Ngezagatame. Je recommence. Ici. Je rentre le mouvement, je vais chercher la manche, revers, et ensuite, là. Donc ça c'est des petites révisions, hein, la liaison de boussole. J'ai bien les jambes écartées, je saisis bien la manche, et je tiens mon partenaire. Ichi, ni, san. Et ensuite je le fais à gauche, donc jambe droite pour déséquilibrer le partenaire. Ici. Je vais chercher la manche, je me prends appui et là je vais venir. Une dernière fois. Donc jambe gauche en l'air, main droite qui va venir chercher la manche. Je pose l'autre main et ensuite. Je fais la technique. Ngezagatame. Et pour finir, on refait le tour de huquet comme on a fait en début. D'accord? Les pompes, ici, au nombre de 5. Ici, je saute 10 fois. Là-bas, 5 fois sur chaque pied. D'accord? Voilà. Je change de pied, etc. Quand vous l'avez fait 3 fois, l'entraînement sera fini. Allez, j'y vais!